tinha um padre que veio pegar uma pessoa de Sorge, se chama Parachamonte, je suis un terrain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'en fait point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Amen. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Amen. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Yes. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Yes. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. 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 Bon, vous arrêtez là. Prions. Seigneur, bénis les quelques paroles que nous avons lues. Nous savons que ceci est ta parole et tu veux que cette parole soit dans nos cœurs, afin d'être transformé en nous comme la vie. Ainsi, laisse que tu puisses simplement m'écarter du chemin, parce que je suis qu'un homme et il n'y a rien de bon que je puisse dire. Mais laisse que ton esprit puisse se saisir de moi, comme lorsque l'ange descendait dans les eaux de l'intestin, et que celui qui plongeait le premier recevait la guérison. Seigneur, puisse-tu, au Dieu de gloire, envoyer ton ange afin de se mouvoir au travers de moi, et que les paroles qui sortiront de ma bouche puissent apporter la vie à tes enfants qui les écouteront. Accorde-nous le bon moment, la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous asseoir. Vous savez, Jésus-Christ. Amen. Merci, Frédéric, d'avoir donné cette occasion de pouvoir exprimer ici. Et je sais que c'est une œuvre qui commence, vous savez, dans quelque chose, c'est le début et la fin qui comptent beaucoup. Si le début a été bien entamé, cela aussi déterminera la suite du travail. Et nous sommes là pour donner un coup de pouce à notre bien-aimé. Cette initiative. Amen. Et tout ce que nous voulons faire pour la cause du royaume de Dieu, Dieu sera toujours derrière pour soutenir cela. Amen. Amen. Et nous ne sommes pas de ceux-là qui se découragent. Même s'il y a des églises ici qui avaient commencé ou qui ne le sont venus, cela ne nous décourage pas. Amen. Frère Madame dit, je préfère répondre devant Dieu comme quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose et de répondre comme un lâche. Amen. Ici, on a la possibilité de faire quelque chose pour que Dieu en reçoive la gloire. Nous le ferons. Amen. Et nous croyons que Dieu soutiendra nos plus faibles efforts. Et Frère Madame dit aussi, faites le premier pas. Dieu prendra soin du reste. Amen. Amen. Le prophète dit qu'il n'aime pas les lâches, les gens qui ont peur d'oser et qui veulent toujours reculer. Mais il faut oser quelque chose. Amen. Et Dieu, regardant et voyant les motifs et les objectifs que vous voulez atteindre, et Dieu bénira. Comme le prophète dit, si vous sentez que vous avez un appel pour prêcher, il dit, vérifiez quels sont vos motifs. Qu'est-ce que vous voulez que vous poursuivez comme but. Yes, sir. Il dit, si vous voulez aller prêcher en vous disant que je gagnerai l'argent, j'aurai une grande maison, alors vous m'avez dit, oubliez cela, parce que vous ne savez pas ce qui se cache derrière là.
Amen. Le ministère, c'est quelque chose de très bien, c'est le serviteur, c'est le service du Seigneur. Mais lorsque les objectifs qui vous poussent ne sont pas purs, vous n'êtes pas poussé. Amen. Mais si en vous, il y a des fois, on dit que si vous avez vraiment un appel de Dieu, cela ne vous laissera jamais tranquille. Vous allez sentir que ça va tellement carillonner en vous, ça va bouillonner jusqu'à ce que vous allez vous lever et vous faire quelque chose. Mais vous ne le faites pas pour que les gens vous acclament, vous ne le faites pas pour que vous puissiez avoir de l'argent, vous ne le faites pas pour que vous puissiez avoir des dîmes et des offrandes, mais vous le faites tout simplement pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé, amen, pour que la parole soit prêchée et que Dieu puisse recevoir la gloire. Et vous le faites parce que c'est pour cela que vous êtes né. Amen. Un jour, à une autre occasion, nous parlerons d'un sujet que j'avais prêché un jour en Finlande. Tu es né pour un but. Et chacun de nous doit arriver à comprendre pourquoi il est sur la terre. Et souvent, nous avons des problèmes, même des conflits, même dans les églises, parce que chacun ne comprend pas pourquoi il est là. Yes, sir. Et lorsque chacun comprend pourquoi il est là, directement, vous comprenez votre position, alors vous allez faire exactement ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Amen. Amen. Donc, je vais essayer de partager quelque chose dans la parole. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est reconnu, mais je ne prétends pas être un grand ministre. Donc, nous essayons seulement de partager le peu que Dieu nous offre à la parole. Je ne sais pas très bien comment je vais intituler mon sujet, beaucoup de titres viennent dans l'esprit, mais soyez plus attentifs à ce que je veux dire. Amen. Amen. Mais pour avoir peut-être un petit titre pour les films et tout, je peux appeler ça le grand exode. Yes, sir. Le grand exode. Et donc, je vais aller plus droit un peu dans le sujet. Nous avons lu ici dans Genèse chapitre 15, c'était Dieu qui est venu pour confirmer l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Amen. Et comme vous savez, Dieu a appelé Abraham. Abraham n'était pas c'était un païen. Mais il est venu des parents qui étaient des adorateurs d'idoles. Abraham, c'était quelqu'un qui adorait des idoles avec ses parents. C'est quelqu'un qui n'a jamais cherché Dieu. Il n'est jamais allé quelque part pour prier, commencer à supplier, Seigneur, où es-tu? Il vivait sa vie normale, ne connaissant pas Dieu, jusqu'à ce qu'un jour, il entend une voix, quelqu'un qui l'appelait. Et même cette voix, il n'y a pas de précision si c'était une voix audible ou c'était quelque chose qui a seulement parlé dans son cœur, mais toujours est-il qu'il y a une voix qui lui a dit, sors de ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Un pays que lui-même n'a jamais demandé, un pays pour lequel il n'a jamais prié, mais c'est Dieu seul qui veut lui dire, sors de ton pays. Amen. Comme aujourd'hui, et Frère Madame dit que nous sommes les enfants d'Abraham. De la même manière que Dieu a traité avec notre père Abraham, c'est de cette même manière qu'il traite avec nous. Amen. Et Frère Madame dit, vous n'avez jamais cherché Dieu. Yes. C'est lui qui vous a cherché. Amen. Parce que c'est lui qui vous a perdu. Vous étiez perdu quelque part. Et là, lui, le votre père, c'est lui qui vous cherche. Amen. Amen. Et comme vous savez, les parents, quand l'enfant est sorti, il est parti, le soir il ne revient pas, là, le cœur des parents commence à battre. Et ils sont là, commencent à chercher, commencent à crier, à appeler partout pour retrouver l'enfant. Amen. Et puis, madame dit, ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, c'est Dieu qui nous a cherché. Amen. 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 Et quand tu nous as cherché, comme Dieu a cherché Abraham, Abraham circulait, et Dieu le croise, il dit, sors de ton pays, vous savez ça dans Genèse 12. Il dit, va dans un pays que je t'ai montré. Abraham est en train d'écouter. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Tout ça, Abraham n'a jamais demandé ça. Yes. C'est pourquoi vous comprenez qu'il y a des fois où vous pouvez vous battre là pour des choses, alors que ce sont des choses que Dieu a promis de vous donner sans que vous lui demandez. Amen. Jésus a dit, cherchez premièrement le
va venir par la souveraineté de Dieu lui-même. Amen. Et nous croyons que Dieu est souverain. Et Frère Branham dit, Dieu est incomplet sans vous. Amen. Donc comme vous avez été une partie de Dieu, Dieu sachant que sans vous, il ne peut pas être complet, alors il sera obligé de venir vous chercher. Amen. 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 Parce que si c'est vous-même qui avez cherché Dieu, vous serez orgueilleux. Déclaré
Yes, sir. Est-ce que vous avez compris? Voilà les justes. Donc les justes selon Dieu, c'est celui qui croit aux choses qui sont invisibles. Yes, sir. Yes, sir. Et les autres disent que ça n'existe pas. Ça avait quelque chose à voir avec le physique.
les églises du, que nous appelons communément les églises du message. Alors je vais vous dire, ce n'était que le premier exemple. My. Yes, sir. Certains sont allés de l'église catholique my. Pour aller à l'assemblée de l'église. Amen. Ce n'était que le premier exemple. Yes, sir. Certains sont partis de l'église, ils sont allés à Shekina. Ce n'est que le premier exemple. Parce que c'est un exemple physique. La personne a quitté physiquement le tabernacle où il partait. Il a changé le nom du tabernacle. Ce n'est que l'exode physique. Amen. My. Ce n'était que le premier exode. Amen. Amen. Comme Israël est parti de l'Égypte pour la Palestine. C'était que le premier exode. Effectivement, il y a eu une raison qui a poussé cet exode-là. Mais ce n'était que le premier exode. Maintenant, remarquez, le deuxième exode, c'était maintenant un exode de principe. C'est-à-dire où le judaïsme devait laisser la place au baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire le peuple devait être aliéné d'un principe qu'appelait le judaïsme pour être introduit dans quelque chose des plus élevés, c'était le baptême du Saint-Esprit. Alors, le deuxième exode dans les églises, c'était maintenant un exode au niveau des doctrines. Celui-là, il ne croyait pas que Jésus est venu. Il change. Il croit maintenant que Jésus est venu. Frère, ce n'est que le deuxième exode. Changer les églises n'est que le premier exode. Mais changer la vision doctrinale n'est que le deuxième exode. Ce n'est pas encore le grand exode. Parce que demain, tu vas encore changer. Alléluia. Tu vas encore quitter. Oh non, Jésus est venu. Donc tu vas encore lâcher notre doctrine. N'est-ce pas? Nous avons vécu ça dans les messages. Les sorties des églises, on a vécu ça. Et quand il y a les premiers jours, quand les gens sont sortis, par là, souffrir. Et quand les gens changent les églises, il y a des pharaons qui suivaient aussi. C'est pas vrai. Et il y a eu des combats, des batailles, il y a eu des guerres entre les pasteurs. My. Ça, c'est le premier exode. My. C'est une conséquence. Jusqu'à ce que dans le message de Fernand, des gens, il y a même des gens qui menacent les autres de les tuer et tout. Des choses qu'on ne voit même pas dans certaines dénominations. Yes, sir. My. Tout ça pourquoi? Premier exode. C'est-à-dire que les gens, c'est sûr, donc, le message est venu, les gens ont embrassé ce même message. Oh, il faut sortir du millénaire, mon peuple. Quand on disait aux gens sortir du millénaire, les gens pensaient que sortir du bâtiment quadruplement pour aller dans un autre bâtiment, c'est ce que les gens appelaient sortir du millénaire. Aujourd'hui, nous allons voir un autre genre de sortir du millénaire. Pas du bâtiment. Après, on a quitté les affaires des bâtiments, c'est les affaires des doctrines. Moi, je crois la vérité. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois ceci. Tu sais, vous savez ce qu'on appelle les credos. Credo, c'est en espagnol. Ils ont dit je crois. Et chez les catholiques, ils disaient je crois en ceci. Je crois à la Sainte Église catholique. Je crois à la Sainte Marie. Je crois. On appelait ça le credo des apôtres. Bon, ce n'était même pas le credo des apôtres parce qu'il n'y avait pas ces credos. Et aujourd'hui, vous allez m'excuser de moi, mon amour, c'est un peu bizarre. Dans le message, nous avons aussi des credos. Amen. On parle dans le message, parmi les croyants du message, parce que le message ne fait pas mettre les credos. Mais les croyants et les églises ont mis en place des credos. Moi, je crois ceci. Moi, je ne crois pas.
c'était quoi? Les dénominations. C'est ce qui produit les destructions. Et aujourd'hui, les églises du message sont devenues des dénominations. Parce que Dieu a dit, quelle maison me bâtirez-vous? Il dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quel tabernacle vous allez me bâtir? X tabernacle, Y tabernacle, X tabernacle, Y tabernacle. C'est devenu des prisons. Amen. Parce que ce sont devenus des géoliers. Alléluia. Directeur de prison. Qui empêche la personne de vous parler là-bas. My. Gloire soit rendue à Dieu. La colonne de feu viendra. Et fera sortir Pierre sans ouvrir les portes de la prison. Yes, sir. Amen. Quand ils sont entrés dans ce pays du baptême du Saint-Esprit,
et là-bas aussi se sont organisés. Avec les âges de l'église, ça commençait avec Paul, Éphèse, c'était bien, et puis après Thyatire, c'était la catastrophe. Et maintenant, on avance dans ce deuxième exode, vous avez compris que comment le deuxième exode agit aussi dans les églises. Et vous voyez, mes frères, quand tu crois, c'est celui qui ne croit pas. Et il préfère. Il a peut-être sa soeur qui est prostituée. Non, il peut bien causer avec sa soeur. Il s'entend bien ses visites. Toi, son frère, qui croit au moins le même message que lui. Dans la fausse doctrine. Et là, c'est déjà le fausse. Il ne faut pas les visiter. Mais il va visiter une prostituée. Il va visiter un soulard. Son frère, un soulard qui croit. Mais il le visite et ils sont bien là. Ils causent très bien. Il les salue. Toi, son frère, qu'il prétend que vous serez au ciel ensemble. Il te voit sur la route de passe. Il dit à ses enfants, les saluer aussi. My. C'est pourquoi le péché de la religion est pire que le péché là du monde. Ça, c'est... Moi, si j'abandonne le message, je retourne dans le monde. Je deviens vrai païen. Comme ça, je vais pécher, je meurs, je pars. Mais je ne veux pas être un religieux. Si je quitte le message, je n'irai pas dans les églises. Non, je ne perds pas l'eau, je vais dans le monde. Bien. Mais crois-moi, je ne vais pas quitter parce que ce n'est pas moi qui tiens, mais c'est le message qui me tient. Amen. Je suis toujours.
ici là où je voudrais vous amener, nous allons partir maintenant de ce deuxième exode pour entrer dans le plus grand exode. Alléluia. Un exode qui va nous amener au-delà de tous ces aspects naturels et physiques. Remarquez encore, avant que je puisse y entrer, dans le tabernacle de Moïse, le souverain sacrificateur faisait aussi des exodes. Amen. Il est parti de l'extérieur, du parvis extérieur, pour entrer dans le lieu saint. Et du lieu saint, il doit entrer dans le lieu très saint. Maintenant, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile. Et frère Branham dit, et la Bible dit aussi que dans le lieu saint, il y avait les chandeliers et il y avait les pains des propositions. Et là, le sacrificateur travaillait, mais le souverain sacrificateur, lui, il allait au-delà du lieu saint. Il déchirait le voile et allait dans le lieu très saint. Maintenant, remarquez bien. Dans le lieu saint, bien sûr, il y avait les chandeliers, mais le feu pour allumer les chandeliers ne provenait pas de l'extérieur, ça provenait du lieu très saint. C'était le même genre de feu, mais seulement lorsque ce feu partait du lieu très saint pour venir allumer les chandeliers, c'était devenu un feu faible. Et le sacrificateur devait à tout moment payer. Voilà, voilà. Donc, je peux prendre comme le lieu saint comme le deuxième exode. Là où le sacrificateur devait à tout moment payer. Pour que si le feu du chandelier s'éteint et que ça commence à fumer, il prend, il allume et on devait payer. Alléluia. Et dans la vie des croyants aussi. Lorsque le croyant arrive dans son deuxième exode, le pasteur doit veiller sur le croyant. À un moment donné, quand la brebis est bien faite, le pasteur vient, il exode, il remonte. Tout ça, c'est le deuxième exode. Alléluia. Mais, dans le lieu très saint, derrière le voile, là-dedans, la lumière qui s'y trouve est une lumière éternelle qui ne s'éteint point. Amen. Amen. Dans le lieu très saint, cette présence, il y avait la manne cachée qui ne pourrissait jamais. Amen. 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 Dans le lieu très saint, la verge d'Aaron, dont Aaron ne connaissait même pas la nature avant. Quand il s'est promené avec là, cette verge-là, Aaron ne savait même pas ce qu'elle a, hein? Ça vient de quoi? Il ne savait pas. Alléluia. C'était une verge sèche. Mais lorsqu'on a pris cette verge, on l'a introduite dans le lieu très saint, oh Dieu. Là où se trouve la lumière éternelle. Là où se trouve la présence de Dieu, là, écoutez, c'est vraiment la présence, c'était une lumière éternelle. Et éternelle, c'est une vie qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans la présence de cette lumière éternelle, la verge a été identifiée. Amen. Donc, la présence de la verge dans la lumière éternelle a identifié la nature de la verge. Amen. La lumière n'a pas changé la verge. La lumière a révélé la nature de la verge. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi vous aussi, à l'intérieur de vous, vous étiez sec. Amen. Dans le monde, ne sachant pas qui vous étiez. Vous dites amen à ça. Amen. Amen. Après, vous avez commencé les exodes. Vous avez quitté votre église dénominationnelle. Vous avez vu dans une église du message. Ce n'était qu'un très bon exode. Et dans cette église du message, il y a un pasteur qui a commencé à s'occuper de vous. Alléluia. Et à vous aider à monter
place un deuxième, deuxième exode. Vous êtes parti d'une telle compréhension, d'une telle compréhension. C'était après cela, quelque chose doit se produire en vous. Il faut que vous soyez amené devant la lumière éternelle afin de dévoiler, afin de révéler la vraie nature qui est cachée. Amen. Est-ce que vous pouvez cela? Maintenant, la nature qui est en vous, vous ne pouvez pas la changer. C'est-à-dire que ce que vous êtes, vous ne pouvez pas changer ça. Ça va plutôt être révélé. Si vous n'êtes pas une semence, ne vous réveillerez pas. Mais quand la parole viendra pour révéler et dévoiler ce que vous êtes. C'est pourquoi que cela ne vous étonne pas des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde et des croyants du message. C'est parce que nous avons pensé que le message était un nouveau mouvement où nous tous, on va partir. Les gens ont oublié que c'était une affaire de prédestinés. Amen, amen. Et que seuls les prédestinés sont comptés dans cette chose ici. Et que Dieu, en envoyant la lumière, en envoyant la colonne de feu, en révélant la parole, le but c'était de dévoiler la nature de tout un chacun. Et vous ne pouvez pas vous cacher. On ne peut pas, c'est-à-dire qu'au niveau où nous sommes arrivés, il est impossible de cacher qui vous êtes. Même si vous essayez de vous cacher, ça va sortir. Amen. Parce que c'est ce qui est en vous. Frère Madame dit, ce que vous serez dans 5 ans est déjà déterminé par ce que vous êtes aujourd'hui. Oui. Ce qui est en vous aujourd'hui, dans 5 ans, ça va sortir. Amen. Amen. Donc, maintenant, pour aller du lieu très saint, ou pardon, du lieu saint, et entrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire aller du baptême du Saint-Esprit. Et frère Branham dit, nous connaissons la citation dans le troisième exode, où il dit, le premier exode les a conduits d'un pays naturel à un pays naturel. Le deuxième exode les a conduits du judaïsme pour les amener au baptême du Saint-Esprit. Mais le troisième exode, il dit, les conduits du baptême du Saint-Esprit au pays éternel du Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais laissez-moi vous lire une autre citation. Dans le troisième exode, au paragraphe 114, vraiment dit ceci. Il dit, there is coming an exodus. Il y a un exode qui vient. Where God will show who is who. Il y a un exode qui vient. Là où Dieu montrera qui est qui. C'est ce que je veux dire ici. Là où Dieu dévoilera la nature de tout un chacun. Avant de recevoir ce message, personne ne comprenait que le pape c'est l'antichrist. Mais quand la parole vient et elle est révélée, on commence à voir. C'est comme Adam en train de donner les noms aux animaux. Oh, les noms c'est une nature. Qu'est-ce que Adam faisait? Adam ne faisait que révéler la nature et identifier la nature de chaque animal. There is coming an
element l'épouse de Jésus-Christ sera exaucée. Amen. Sera exaucée. Ça, c'est un peu mon vocabulaire. Amen. Sera exaucée dans le pays qui est promis. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant le pays qui est promis. In my father's house are many mansions. Amen. Voilà le pays. Il dit, enter, il y aura un exode. Oh my God. Et dans cet exode-là, Dieu montrera qui est qui. Donc dans cet exode-là, il y aura des gens dont leur nature sera dévoilée. Maintenant, dans le même exode, l'épouse. Parce que vous savez quoi? Écoutez bien, soyez attentifs, frère. Soyez attentifs, ne marquez pas ça. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, dans le premier exode, Pharaon, il y a eu pour un, les ramassés qui ont suivi, et Pharaon aussi a suivi dans cet exode-là. C'est-à-dire, les trois sortes des croyants. Il y a eu Israël, les vrais croyants. Il y a eu les ramassés, il y a eu Pharaon. Dans le premier exode. Or, si l'histoire doit se répéter, dans le troisième exode aussi, nous serons des ramassés qui sortiront aussi, qui suivront. Parce que suivez bien que le troisième exode parle du baptême du Saint-Esprit. Et dans cet exode, nous aurons aussi les ramassés qui vont suivre. Nous aurons aussi Pharaon qui va suivre. Mais le problème est que et les ramassés et Pharaon vont se noyer. Parce que cet exode, c'est un exode de nature. C'est-à-dire que c'est un exode où il est impossible de fabriquer. Il est impossible d'imiter. Il est impossible de ne pas être ce que vous êtes. Ou de chercher à être ce que vous n'êtes pas. Amen. Alléluia. Ça, ça a bien marché pendant les âges de l'Église. C'est pourquoi Paul a dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Parce que pendant les âges de l'Église, il y avait des faux. Alléluia. L'esprit antique de Nicolaïque s'était donné à l'Église. Et ils régnaient. Et ils ont embrigadé l'Église. Et ils ont affaibli l'Église. Amen. Mais Branham dit cette fois-ci, oh Dieu, c'est impossible. Satan ne pourra plus, parce que le péché des Amorites, on dit c'est quoi? L'organisation, la dénomination. Amen. Sont complètement. Amen, amen. Oh Dieu, vous regardez les églises du message. Vous vous demandez, est-ce qu'ils ont vraiment cru le message? L'iniquité a atteint le comble. Des choses qu'on voit dans les églises qui n'ont rien à voir avec ce que Branham avait dit. Et on essaye de les justifier. Non, frère, vous voyez. Non, frère, vous voyez. Non, frère, vous voyez. Bon, je ne vais pas me mettre à citer les exemples pour qu'on ne dise pas que ces jeunes gens-là qui ont fait attaquer les gens. Les églises sont devenues des entreprises. Amen. Entreprises privées. Et on s'arrange pour léguer les héritages. Ouais. Ça n'a plus rien à voir avec Dieu. Ça, c'est vrai. Alléluia. C'est vrai que la parole avait dit
l'école pour que je vais envoyer mes enfants. Au moins, là-bas, on va les lire la Bible. Ça, ce n'est pas pour nous. Amen. Dieu dit, je crois qu'il a dit à Moïse, je suis. Il dit, Esaou, je lui ai donné sa montagne. C'était l'héritage que Dieu a donné à Esaou. C'est pour lui, mais vous, tournez vers le nord. Amen. Ne suivez pas ces choses-là. Et tout ça, ce sont des distractions. Et le peuple, au lieu de se concentrer dans la parole. Est-ce que Frère Madame n'avait-il pas les moyens pour construire, pour faire ces choses-là? Il en avait, mais pourquoi il n'a pas fait? Il savait. Vous savez, lorsque Naaman était guéri, il a pris le don pour donner à Élisée, il a dit jamais. A refusé le don de Naaman. Guérassi! Il va récupérer. Quand il revient comme ça, le prophète dit, d'où viens-tu? Oh non, je ne sais pas qui est pas là. Mon esprit n'était pas loin. Il dit, la lèpre de Naaman viendra sur toi. Oh, la lèpre représente le péché. Amen. Vous suivez la voie des dénominations, les péchés des Amoréens. Et aujourd'hui, alléluia, on peut crier Samson. Les Philistins sont sur toi. Oh, l'église du message, les Philistins sont sur toi. Commence à suivre les chemins des dénominations. Quand les catholiques ont créé les écoles, ils les ont créés avec des bonnes idées et des bonnes intentions. Mais Branham ne nous a pas envoyé faire ça. Laissez les enfants aller dans les écoles là. Comme ça, ils vont briller. Ils vont être des lumières parmi ces enfants pécheurs. Comme vous voyez, les Amish vivaient une vie. Qui te dit que les Amish, c'est votre exemple? Si les amis chez nous, ils croient pas les messages de Dieu. Vous savez, quand on dit comme ça, on est mal compris. Je sais que quand les gens vont suivre la vidéo, les foudres vont revenir. Bon. Mais il faut qu'il y ait une voix qui se lève pour parler. Amen, amen. Quand quelque chose est faux, c'est faux. Le problème, c'est vrai que le mal, quand ça vient tellement petit et subtil, et puis après, ça s'installe. Ensuite, quand l'iniquité des Amoréens atteint le comble, il faut qu'il y ait un troisième exode. Un exode où on va maintenant quitter les principes, les discussions, les débats, les doctrines, pour que chaque individu, comme on dit, un exode viendra où Dieu montrera qui est qui. Amen. Tu peux te débattre, en fait, moi je ne crois pas parce que oui, tu peux croire ou ne pas croire, mais qui es-tu? Qu'est-ce qu'il y a dans ton âme? Est-ce que tu as vraiment, tu es scellé? C'est là le problème, frère. Les gens se cachent, frère. Moi, mon pasteur, c'est tel. Mais ça fait quoi? Tu crois que parce que tu es brebis de tel, alors le ciel est garanti pour toi. À jamais. Mais c'est ça, les gens aujourd'hui. Frère, moi, brebis de tel. On va écouter le bas de notre pasteur à prêcher. Allez de l'avant. Mais quelque chose viendra. Amen. Où Dieu montrera. Ça n'a rien à voir avec les tabernacles auxquels vous appartient. Ça n'a rien à voir avec le pasteur dont vous êtes brebis. Amen. Le grand pasteur reste le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faut craindre que le pasteur soit un geôlier, gagner les prisons, qui te ferme et qui t'empêche de recevoir la vérité. Dieu merci, la colonne de feu viendra. Alléluia. Yes, sir. On a arraché la vie. Vous savez, Frère Madame dit, oh, le président, notre nouveau président, a refusé de prêter serment sur la liberté des religions. Parce que Frère Madame prêchait ça, c'était après l'élection de Kennedy, je crois. Il ne veut pas prêter serment sur la liberté des religions. Et aujourd'hui, on a arraché la liberté. Des esclaves. Ça ne veut pas dire qu'on va manquer de
les gens se sont attachés. Voyez, enfin, moi, mon pasteur, comme on dit, aujourd'hui, des prédicateurs ou des pasteurs ou quoi, je ne sais pas même comment il a utilisé la phrase, il a dit, au lieu d'établir Christ dans les cœurs des croyants, ils se sont établis eux-mêmes. Amen. Ça, c'est vrai. Vous imaginez, un croyant qui dit, moi, je prêtais seulement avec mon pasteur. Mal, mal. Mais vrai ou en vrai. Mal, mal. Battus pour occuper les pays. Le deuxième exode,
like they did. It's already prepared. Là, vous n'avez pas besoin d'y aller et vous battre comme ils ont fait. Mais c'est déjà préparé. If this earthly tabernacle dwelling be dissolved, we have one already waiting. Regarde comment je vous rattache dans le troisième exode. Il dit, et pour entrer dans le pays là, ils se sont battus. Ils devaient tuer les Amoréens, ils devaient tuer les ceci, ils devaient tuer. Il dit, mais le troisième ici, il dit non. Il dit, c'est déjà préparé. Et il dit, si c'est un miracle dans lequel nous sommes, donc nous en avons un autre qui attend déjà. Mais ça attend déjà où? C'est là le problème. Ce n'est pas quelque part là. C'est toujours le cas. Et celui-ci ne fait que ouvrir. Amen. Et cet tabernacle-là qui attend, cette maison-là dans laquelle nous entrons, frère Adam dit, ça commence par la nouvelle naissance. Amen. S'il y a un point où on devait beaucoup insister, alléluia, dans les églises aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance. Bien sûr que vous ne pouvez pas non plus naître de nouveau si vous n'êtes pas de la semence. Parce que si le problème, amen, vous devez être de la semence. C'est ça. Afin de naître de nouveau. Et lorsque vous naissez de nouveau, alléluia, vous retrouvez exactement votre nature originale. Parce qu'en venant sur la terre, en naissant dans le péché, vous aviez perdu votre nature. Et il y a eu une déformation dans votre vie. Il y a eu une déformation dans vos goûts. Vous commencez à aimer des choses que vous n'étiez pas censé aimer. Alléluia. Et quand la parole est venue, la parole restaure, vous ramène, vous rétablit dans votre position originale. Là où vous commencez à aimer les choses du ciel, d'où vous venez, vous détestez le monde. Alléluia, vous n'êtes pas tranquille si la parole, vous ne l'écoutez pas. C'est ce que fait cet exode ici. Cet exode vous restaure, vous ramène d'où vous êtes venu. Nicodème a demandé à Jésus le maître, oh, comment une nouvelle de ça, donc moi qui suis vieux, je dois encore retourner dans le ventre de ma mère et dire non. Je dis non, il ne s'agit pas de cela. Ça n'a rien à voir avec le premier exode. Parce que ce que tu dis là, c'est fait un exode. Parce que, vous voyez, quand on est sur la terre physiquement, c'est un exode avec le ventre de l'homme. Pour un autre territoire. Il dit non. Il dit vous devez, c'est-à-dire que vous devez. Il dit si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir et voir ses confronts, comprendre le royaume. Mais il ne s'agit pas d'une compréhension intellectuelle. Non. Il s'agit de la révélation. C'est pourquoi dans Christ, le mystère de Dieu, le frère Branham dit, la nouvelle naissance au Dieu. Il dit, c'est la même personne de Jésus-Christ se révélant lui-même à vous. En tant qu'individu. Amen. C'est pourquoi Frère dit, je n'ai jamais eu l'intention, alléluia, d'amener les gens derrière moi, ou de créer des églises. Il dit, mon désir avait toujours été d'établir une communication personnelle entre l'individu et Dieu, le Créateur. Alléluia. Voilà le travail. Voilà le conseiller du mariage qui devait prendre la main de l'époux et la main de l'épouse. Quand l'épouse voit toi en tant qu'individu, donc il prend ton âme et il prend le cœur du Créateur, il vous unit ensemble. Et Dieu et vous.
là où Dieu traite avec vous comme individu, pas par rapport au groupe. Tellement que nous avons embrassé les choses du groupe, c'est pourquoi tous les désordres que nous avons dans les messages aujourd'hui. Et, frère, beaucoup de gens qui sont dans les églises du message ne sont pas sauvés. Beaucoup, ce sont des religieux, ils ne sont pas sauvés, ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. C'est seulement la religion qui découvre avec la connaissance du message qu'ils ont eu. Or, la Bible dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance, pas après avoir reçu la vérité, mais après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Et beaucoup connaissent ce message. Il y a même des frères, quand vous voulez causer avec les frères, vous avez toujours des citations. Donc, les frères ne veulent plus. Donc, ils veulent que quand il y a un problème, que chacun leur fait, moi je pense. L'autre dit, moi je pense. Quand vous leur dites que l'offre, nous allons dire les prophètes et l'offre, vous avez toujours des citations. Mais c'est ça notre vie. C'est nous la citation. Comment vous voulez corriger le problème en écartant les citations? Et vous allez voir, frère, que si tous les bien-aimés frères pouvaient se soumettre à ce que le Père dit, il n'y aurait pas de problème. Si vous voyez des problèmes dans les églises du message aujourd'hui, c'est parce que nous avons affaire à des incrédules, mais qui ont les brochures dans les mains et qui ne les croient pas. Amen. Amen. Donc, les mêmes brochures qu'il a dans les mains, quand tu vas lui dire que non, voilà ce que le frère Branham dit, alors, notre pasteur n'a pas dit ça. Et aujourd'hui, on croit plus au pasteur qu'au prophète. Ça, c'est vrai. Quand Joseph Branham envoie les vannes balles, que les gens écoutent les vannes, on attend clairement, écoute les vannes, mais en tout cas, les mêmes personnes dans les vannes, les pasteurs écoutent. Maman. Je ne suis pas contre. Ce n'est pas un problème. Mais le problème est qu'il faut rester derrière le messager. Voilà le troisième sujet du frère. Voilà le grand texte. Laissez-moi aller jusqu'à la statue pour terminer. Si cet tabernacle terrestre, ce lieu d'habitation, est dissous, nous avons une autre qui attend déjà. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Comme on dit, le grand exode est proche. C'est le moment que j'ai tiré aussi. Il dit donc, si cet tabernacle est dissous, nous avons un autre qui attend. Et il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le grand exode est proche. C'est l'exode qui nous amène à être là où Christ est. Mais il ne s'agit plus d'un voyage physique. Il ne s'agit plus d'un déplacement d'une église à une autre. Il ne s'agit plus d'un déplacement d'une doctrine à une autre. Parce que la doctrine, on peut discuter sur la doctrine. Quelqu'un peut même croire une vraie doctrine, mais toujours ne pas être sauvé. Sans avoir l'esprit dans son cœur. Mais moi, c'est pas vrai, madame disait, je préférerais quelqu'un qui a une fausse doctrine, mais qui a un bon cœur, que quelqu'un qui a une vraie doctrine et un mauvais cœur. Ça veut dire que ça existe. Quelqu'un qui a une bonne doctrine, mais il est mauvais dans son cœur, méchant dans son cœur. Et vous trouvez d'autres qui n'ont pas de bonne doctrine, c'est-à-dire que peut-être qu'il ne comprend pas, mais dans son cœur, il est correct. Parce que bien, mes frères, Dieu traite avec le cœur. La doctrine peut s'arrêter au niveau intellect. Et vous pouvez intellectuellement déballer, expliquer, prouver et convaincre. C'est pourquoi Paul dit, même si j'ai la connaissance de tous les mystères. Alléluia. Mais si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas Christ dans mon cœur, si la personne de Christ n'est pas devenue un avec moi, parce que
My. Non, il y a des gens faibles. Il est seulement faible dans son corps. Vous ne savez pas dire que faible. Il y a moi, il y a des faiblesses. Il commence à fabriquer des sujets de prédication pour justifier sa vie du péché. Non, ça, ce sont des oubliés d'iniquité. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, ces oubliés d'iniquité ne peuvent plus se cacher parce que c'est lui qui les retenait. Ah, les gens disparaissent. Maintenant, le mystère, c'est pourquoi dans le message, je dis il n'y a plus moyen de se cacher. Tu commets le péché et Dieu a fait que, même sur le plan scientifique, tous les moyens des médias sont devenus tellement parfaits, tu commets seulement un peu là-bas. Deux minutes d'arrêt. Amen. Les poils ne se trouvent pas la tête.
man, Seigneur, mais c'est mon autorité, mais comment le diable ne te justifie pas. Amen. Humilie-toi, dis Seigneur, restaure. Restaure ma domination. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Ils ont vu avec leurs yeux que Jésus était bien, bel et bien ressuscité.
ça, ça, ça fait ça. On va tomber. Ça, les églises. Semence prédestinée. Moi, je suis ici pour elle. Ah, amen. Et elle sortira de la prison.